Eh bien bonjour à tous, c'est Tony John 117. Et oui, vous êtes peut-être surpris, nous sommes sur Spider-Man, sur PS4. J'ai décidé de faire ce jeu en parallèle de Last of Us. Il faut varier un peu les plaisirs. Et ben on va commencer ça tout de suite. Alors j'ai déjà fini le jeu, évidemment. Il y a un petit moment déjà. J'ai fait tous les DLC aussi. J'avais commencé une partie en ultime, mais j'avais pas le goût de le finir. Donc c'est parti, nous allons faire une nouvelle partie. Nous allons nous faire en incroyable. Donc en mode normal. Sous-titres, oui. Non, on va pas toucher. Allez, go! Et donc je connais le jeu. Je connais bien le jeu. Il se peut que j'ai oublié des moments, mais bon. Votre partie, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est le meilleur jeu Spider-Man pour moi. Unité, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk? À la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Et c'est parti! On tisse la toile. On suit l'hélico. Ah, toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu. Capitaine Watanabe. Est-ce que vous l'avez arrêté? Non, on est à la tour Fisk, mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yori, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, c'est comme si c'était fait. Ouais, on arrive. Bon, ben, les premiers temps, il va falloir que je reprenne le gameplay en main, bien sûr. Allô? Peter? Où es-tu? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Ah. Oui, pardon, je règle un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis. J'ai intérêt à me dépêcher pour être à l'heure à mon vrai job. Toujours aussi comique ce Peter Parker.
J'espérais qu'Yori a appelé la cavalerie. Salut les flics. J'arrive. On a besoin de renforts. 10-32, Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Salut les gars ! Qui veut une tasse de café bien frappée ? Faut esquiver ces ronds. Hein. Alors je vous préviens, j'ai la pêche aujourd'hui. Tiens. Je te présente mal. Aïe. Non mais descendez-le. Oh, qu'est-ce qu'il commence à sortir des fiches de paye. Spider-Man, où en êtes-vous? Presque fini, et vous? On est sur le point d'entrée. Me dépêche. J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous lui passerez les menottes. Toujours sous jouissif. C'est bon? Ok Yori, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Yori? Yori! J'arrive! Je savais que Fisk se laissera pas faire. Allez, on se balance. Demandez des renforts et verrouillez l'espace aérien. Yori, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais... Ouais, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Allez, allez! Faites gaffe! Hé, où tu vas comme ça? Des canaux! Je veux pour la voir! Je veux voir! Allez, tout ça! Yerman, contrôle! Ouais. Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout. Qu'est-ce que c'est ici? Il va tout faire foirer. Oh, merci pour le soutien. Ça me touche. C'est de la triche. Suffit, mais je vais me marrer. Les conditions de travail se dégradent à vue d'œil. Allez, il est tout seul. Allez, Spidey. Spidey. Pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous soigner. Ah oui, comment ça marche déjà? Flèche du bas. Ok. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je vais te faire taire. Il est où l'autre? Aïe. Je crois que c'était le dernier.
Allez, allez! Ils ont bloqué les ascenseurs! Par les escaliers! Je préfère une approche plus directe. Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter, en priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos essuient des tirs. Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Il a peur. Et on peut dire c'est vrai qu'on peut courir sur le mur. Je dois trouver et l'arrêter. Pas encore. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. Il nous faut ses preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Tante May. Ouais. Il vaut mieux que je réponde. Ouais, salut, vaut mieux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais mettre sur les condignes toujours ensemble demain soir. Bien sûr. Écoute, je dois te laisser. D'accord. Salut. Moi aussi. En bas. Il a volé. Permettre un coup de grâce, c'est de sauver son nom. Tenez-le, qu'il arrête. Ah oui, c'est comme ça. Vous savez que ça va mal finir pour nous. Tiens. On ne peut pas le laisser faire. Je vais t'apprendre. Qui veut s'appâter? Allez. C'est bon? Je trouve ces serveurs avant que l'épreuve ait disparu. Si je passe par là, ils détruiront toutes les preuves. Je ferais mieux de chercher un accès discret. Et voilà. Ah voilà. Je rentre pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Plus vite, le boss veut que tout disparaisse. Je peux pas aller plus vite que la machine. Ils sont salut. Fous, quand ils se doutent de rien. C'est le service technique. J'ai oublié mon mot de passe. Ne laisse pas approcher ta console. Allez. Attention, suppression totale imminente. Occupe-le. L'opération est pas finie. Moi qui pensais que les techniciens de mon ancien job étaient nuls. Voilà. On va dégager le terrain. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Oh, tiens. Enfoncez-moi cette porte, vite! Éliminez-le! Ah, le jeu nous apprend à jouer. Regarde autour de toi! C'est mon œuvre! Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Attends. Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Sans moi, la vermine que je tiens en laisse va se répandre. Et ce sera ta part. Hop, 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 hop. On en a vécu des choses, Fisk. Je suis presque triste que ça s'arrête. Loin de là. Dans ce cas, prépare-toi bien pour la suite. Et voilà pour toi. Attention, ça s'écroule. Yuri, une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Fais en sorte qu'ils aient le champ libre. Ils poussaient l'œuvre. Ah, mais ils font mal. Fais attention quand même. Je crois que c'était le dernier. Je m'en rappelle plus qu'on prenait autant cher en normal. C'est bon, on y va. Salut les gars!
Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir. Putain, va être coincé. Occupez-vous d'eux. Nous, on se charge des bombes. Ok. J'arrive. J'ai tout le monde dehors. Évacuez le bâtiment. J'ai entendu d'autres personnes par là. Je les trouverai. Spider-Man, on est coincés. On peut pas bouger. Je vais les soulever. Dès que possible, foncez. Si vous pouvez, aider les blessés. Compris? Il est trop fort. Allez. Yes. Ça y est. On y va. Je pars, Willy. J'arrive. Spider-Man, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça va, capitaine? Calme-toi. Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert. On a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. Ah. Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie. Olé. Oh oh. Attention! Lance-roquette. Merde. Ah. Tu vas crever, oui. Il y en a d'autres. Ouf. Allez hop, au revoir. Où ils sont? Oh la vache. Ok, c'est bon. Heureusement qu'on peut se soigner. J'ai réussi à passer ça. Franchir les... Ah. Où tu vas là? C'est où la suite déjà? Je ne me rappelle plus. Patience, il y en aura pour tout le monde. Ouais. Tiens. Aïe! Sérieux lui? La salle est sûre. Les démineurs doivent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont bien. Ben, je vais quand même pas crever dans le tuto. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben je suis là. Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Oh, pour qui toi? Bloc clé, sans virale dans le dos. Alors vous fricotiez avec Fisk depuis le début? Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant! Abattez-le! Votre plan n'a pas marché! Place au plan B! Vous prenez une dérouillée! Faut pas qu'il entre dans le bureau! Vous attendez quoi pour faire? C'est bon? Où ils sont? Voilà. Hey Yuri, on dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. La bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le, maintenant. Avec plaisir. Ouais, il semblait que c'était là.
On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Speeder et Man. Préparez l'hélicoptère. Ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. Tu crois ? Se lâche. T'es conscient que je te vois toujours là ? 8 années de cette insolence. C'est pour moi ? Fallait pas ? Je dois attendre un bon moment. Un gros joujou là. Ça recharge. Attends. Putain, je sais plus comment on fait. Voilà. Ah putain. Et c'est le moment. Il est trop loin là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Un de moins. Et voilà. C'est possible. Eh ben Willy, t'as pas l'air content. Je vais t'aplatir. Essaie toujours. Ah. Crée une ouverture. Aïe 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 aïe. Je vais en finir. Fallait pas me chercher. Non, mauvaise idée. Je fais n'importe quoi. Même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Attention. C'est un peu nombreux là. À moi. Vous êtes formés au combat. Battez-vous. Bougez-vous. Bougez celui-ci. Je ne veux pas entendre dire pourquoi je vous fais. Ah ça. Attention. Non. Voilà. Où sont passés les renforts? Je sais pas, boss. Tiens, prends ça. Voilà pour toi. Tiens. Ta mort sera aussi inutile que ta vie. Essaie toujours. Tu ne m'arrêteras pas. Ah, j'en ai plus assez. Bientôt fini. Raté. Aïe. Hop. Ah!
Vous êtes en état d'arrestation. Alors, c'est là qu'on s'embrasse ? Ah, plus tard. Bien. Pas mal l'introduction. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter ? Bon, faut que je file. Hé, hey, bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Ou pas. Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Faudrait fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. Et voilà, la ville s'offre à nous. On monte de niveau. Niveau 2. Plus de vie. Un point de compétence. On va équiper ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Maintenez triangle pour saisir et projeter des ennemis. Entoilés. Ah oui, ça c'est bien. Appuyez sur rond lorsque votre sens d'araignée devient bleu pour contrer vos ennemis avec une toile en pleine tête. Maintenez carré dans les airs pour envoyer. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Voilà. Et maintenant? On va là-bas. Nous devons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. Attends-moi, j'arrive. J'adore l'enthousiasme du doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je pourrais bien me dépêcher avant qu'il se blesse. J'adore ce jeu. Oui, c'est vrai qu'on pouvait faire ça. On peut courir sur les murs, on peut tout faire. Il y aura la suite sur PS5. Je pense qu'on le fera. Allez, on est arrivé. Pardon, je suis en retard, je me... Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement. Je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique! C'est pas vrai! On devrait peut-être arrêter! Pas encore! Tenez bon! Ça doit faire mal. Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif.
je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. C'est tendu. C'est une catastrophe. Pourquoi le filtreur n'a pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... je veux comprendre ce qui s'est passé. J'adore le café au travail. Vive les subventions. Ah, j'en ai passé des soirées dans ce labo. Une chance que le doc pense au ravitaillement. Par contre, j'aimerais bien qu'il achète plus de petits cubes de fromage. C'est quoi ça déjà? C'est le grand jour. Ah. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts. Nos travaux ont avancé à un rythme inespéré. Je ne pensais pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable, mais par cœur, ce garçon peut faire des miracles avec trois fois rien. Alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure, il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents. Et bingo, problème résolu. Ce petit est un génie. Un génie toujours en retard. Déjà 10 minutes. Où est-ce qu'il est? Il n'a quand même pas oublié l'audit. Désolé de vous avoir lâché, Doc. Toujours en retard, hein. Peter Parker. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à trouver déjà? Ça fait bizarre de passer de Last of Us à ça. Merci à ceux qui soutiennent la vidéo, mes vidéos. Ça m'encourage à continuer. Il n'y a pas grand chose d'autre. Il semblait qu'il y avait plus de trucs. Peut-être là-bas, là. Non. Bon, on va à l'objectif. Oh, t'es pas en grande forme, toi. Ouais. Voyons d'où vient le problème. Allez, MacGyver. Alors, faut réparer le bras. Le circuit a grillé. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Alors, faut établir une connexion entre le truc orange là. Et ça. Donc, on a les pièces qui sont là. C'est un peu comme un puzzle. On va mettre ça. Là. On met ça. Là, faut en mettre une droite. Comme ça. Et voilà. Ça y est. Voyons, on redirige les commandes du cerveau moteur. C'est pas fini. Je sais plus si ça fait faire comme ça. Est-ce qu'il faut obligatoirement aller là-dedans là? Parce que dans ce cas, faut faire comme ça. Non, ça marche pas. Voilà. Ah, problème. Attends. Voilà. Parfait. Ok. Et ensuite.
Et on redistribue l'attention. Bon, là, il faut mettre la bonne charge. Donc, il faut 3. On va mettre 2. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Voilà. Fini. C'est tout bon. Un vrai ingénieur. Voyons si ça marche. Ah oui, ça marche. Comme neuf. Ah, ça va mieux. Il est plus rigide. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Voyons ça. Peter, merci encore pour ces essais à l'aveugle. Ils sont essentiels aux avancées scientifiques. Tu sais, en préparant le prochain essayage, j'ai eu une idée. Tu crois que c'est vraiment le meilleur moyen de remplacer un membre? C'est idiot, je le sais bien. Mais je continue de me dire qu'il pourrait y avoir un autre moyen. Mmh. Alors. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Tester un nouveau conducteur pour les prothèses. Ah oui, ça c'était un peu... Il y en a qui étaient un peu chauds à faire. Alors attends. Là c'est ça. Bon, le premier il est facile. Après il y en aura d'autres qui sont plus compliqués. Le composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Yes. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Attends. On essaie d'améliorer la composition des prothèses. Je devrais jeter un coup d'œil au développement du doc et vérifier son travail. Ah, je peux en faire quelques-uns. Je peux en faire 2. Ça fait de l'XP. Essayer d'améliorer la granularité de l'actionneur. On va faire ça vite fait. Voilà, c'est bon. Pas mal. La réaction est super fluide. Voyons si on peut régler la force de préhension de la prothèse. Là. Hop. Comme ça. Et voilà. Bon, ça va, c'était rapide. C'est mieux. On devrait éviter les os broyés lors des poignées de main, comme ça. Les autres, je peux pas les faire pour l'instant. Du coup, maintenant... Je crois qu'on doit avoir des modèles de tous les types de prothèses possibles. Ah, voilà ce qu'il me semblait. La remise des diplômes. Ça me paraît tellement loin. J'étais en stage avec le doc. C'est lui qui m'a appris que je pouvais apporter autant au monde dans une blouse blanche qu'en collant. Voire plus. Il semblait qu'il y avait plus de choses à voir. Le doc a fait de grandes découvertes pendant toute sa carrière, mais il s'est toujours fait éclipser. Souvent par Oscorp. Cette fois, ce sera différent. Mmh. Là, y a rien. C'est fou comme la prothèse a évolué. Je me rappelle quand notre prototype était fait de pièces que j'avais récupérées sur un micro-ondes. Ouais, on y va.
Alors où c'est qu'on va maintenant? Spider-Man, c'est Yuri. Alors fisk est arrivé à Riker? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri. Je refuse rien. J'arrive tout de suite. Ouais. On arrive. On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait, avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez. Bon, alors, malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer? Ah non, non, je suis plombier. Oh, super! Attends qu'il finisse de parler. Fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape. Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Oui, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bakchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ou vous casser les jambes. Bonjour chez vous. Ah. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Toujours aussi sympa, Johnson. Jameson, pardon. Allez, commissariat, le comico. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras le bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez! Je croyais que vous me faisiez confiance! Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. Alors, comment ça marche déjà ça? Voilà, tout simplement. Faut débloquer les tours. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait, j'ai des unités pas loin. Pas la peine, je m'en occupe. Allez, les tours, ça débloque la carte. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. En avant! C'est lui dessus!
Putain. Aïe. Hop. Allez. Et voilà. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi ? Non, 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 non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Alors c'est toi la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage. Mais fiche-moi la paix. Boucle-la un peu. Ne me touche pas. Allez. Laissez-la tranquille. Oh non. Ouais. Ouais, elle est brute. Super. Aïe. Aïe, tiens. Hop là. Bon, les gros, ils sont plus loin à crever. Et voilà. On a sauvé la demoiselle. Bouge la butte. Oui. Ça, c'est fait. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller ? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Bon... Ouais, ça on sait. Un peu d'auteur. Bon, et ben je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça me plaît toujours autant ce jeu. On va s'arrêter là pour cette fois. On a fait une bonne intro là. Ce jeu est excellent. Et bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.